question à propos des dinosaures dans la Bible. Première question. Pourquoi n'est-il pas question des dinosaures dans la Bible? La première version française populaire de la Bible n'est apparue qu'à la fin du 19e siècle dans la version de Louis II. Le mot « dinosaure » n'a cependant été inventé qu'en 1841. Il serait donc normal de ne pas s'attendre à retrouver le mot « dinosaure » dans les Bibles imprimées avant 1941. Nous pourrions cependant nous attendre à y trouver d'autres mots disponibles pour la description des dinosaures. La version française Louis II utilise le mot « dragon » à tout près de 20 reprises dans l'Ancien Testament pour y décrire la plupart du temps des animaux réels. Comment fait foi cet extrait? « Tu fouleras le lionceau et le dragon » Psaume 91, verset 13. On retrouve aussi dans le livre de Job des descriptions de créatures en des termes que nous pourrions associer avec des dinosaures. Le premier est le plus massif de tous les animaux végétariens créés, la première des voies de Dieu, peut-être le puissant brachiosaure. Vois le behemoth que j'ai fait avec toi. Il mange l'herbe comme un bœuf. Il courbe sa queue comme un cèdre. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres, des barres de fer. Job, chapitre 40, versets 10 à 13. Le deuxième semble avoir été quelque sorte d'animal très large et respirant le feu. Tout comme le scarabée bombardier possède un mécanisme produisant de l'explosion, autant le grand dragon des mers, aussi appelé le Léviathan, a pu posséder ce même mécanisme qui lui aurait permis de respirer du feu. Tireras-tu le Léviathan avec un hameçon? Son souffle allumerait des charbons et une flamme sort de sa gueule. Job, chapitre 40, verset 20 et chapitre 41, verset 12. La Bible parle donc réellement des dinosaures. Deuxième question. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux dinosaures? Les scientifiques au niveau séculaire ont offert des explications variées pour expliquer la rareté des dinosaures aujourd'hui. En voici une liste partielle. Une grande comète ou un gros astéroïde est entré en collision avec la Terre il y a très longtemps. Le Soleil est devenu soit trop froid ou soit trop chaud. Le climat au niveau mondial est devenu soit trop sec ou trop humide. Et finalement, une supernova a explosé à proximité de la Terre, inondant la Terre d'une pluie de radiation. Il y a cependant de nombreux problèmes concernant les supposées preuves pour quelconque de ces événements. À la place, les créationnistes suggèrent que les dinosaures sont morts et ont été enterrés suite aux événements du grand déluge décrits en Genèse chapitre 6 à 8 et pour lesquels il y a un gros amas de preuves. Les genres types de dinosaures préservés dans l'arche, survivant ainsi au déluge, ont probablement dû faire face à des changements climatiques sévères suite au déluge global. Ils avaient probablement une physiologie unique ne leur permettant pas de survivre à de tels changements. Tout ceci, tout comme les raisons pour lesquelles certains animaux sont en voie d'extinction aujourd'hui, auront contribué à leur disparition. Quel âge ont les os des dinosaures?
Plusieurs personnes croient que les os fossilisés doivent être vieux puisqu'ils ont été changés en pierre et que cela a dû prendre des millions d'années pour cette transformation. Mais cette image populaire est déroutante. Un livre récent dont l'un des auteurs est un expert de renommée mondiale au sujet des dinosaures fait remarquer quelques anecdotes particulières à propos des os des dinosaures que bien des gens n'avaient pas remarquées, entre autres. Les os n'ont pas besoin d'être changés en pierre pour être des fossiles. Bien souvent, l'os original est encore présent dans le dinosaure fossilisé. Quelques os de dinosaures fossilisés sont solides comme le roc et ont été minéralisés de façon permanente et à fond. Des minéraux du roc ont été déposés dans chaque espèce à l'intérieur de l'os. Cela peut survenir très rapidement. La quantité de temps requise pour qu'un os devienne complètement minéralisé varie grandement. Si l'eau de profondeur est riche en minéraux en solution, le procédé peut survenir plus rapidement. Des os plus modernes, trempant dans des sources minérales, peuvent devenir minéralisés de façon permanente en seulement quelques semaines. Le récit biblique de la vraie histoire du monde démontre clairement qu'aucun fossile ne puisse avoir plus de quelques milliers d'années. Les os de dinosaures et les roches dans lesquelles ils sont retrouvés présentent l'évidence d'un enterrement rapide et d'une fossilisation qui est consistante et cohérente avec le résultat d'un déluge global.